de vie, c'est pas mal. C'est quoi ça? Défi, un défi. Alors, qui va là? Inspecteur Gadget. Waouh, qui êtes-vous? Chut, parle-moi fort, ils sont quelque part dehors. Ils me cherchent. Tana, tana, tana. J'ai réduit la caméra. Ils me cherchent, Donc apparemment, lui, il va y avoir des embrouilles. Lui, il va créer des problèmes. Qui ça? Si ça se trouve, tu es l'un des leurs. Envoyé pour me mettre dans cette foutue prison militaire. Ah, prison militaire, en y repensant. Pas même les forces spéciales auraient le cul de porter ça. Merci pour votre service entier, monsieur. Je vais m'appeler sergent. Je connais tout de leurs secrets. J'ai vu des choses qui te glaceraient sans. Un ex-militaire. C'est pas d'avoir été exclu par conduite déshonorante qui me fera renoncer à mon devoir civique. C'est pour ça qu'on doit frapper en prison. Écoute, sergent, j'aimerais t'aider, mais. Mais rien, tu vas kiffer ta mère. Faut une famille ajouter la. L'annuaire. J'aime pas trop les cocos, mais le capitalisme est hors de contrôle dans ce pays autrefois si grand. Anéantit la ville et cause autant de dégâts que possible. Ah, un anarchiste. Pas pour le communisme, ni pour le capitalisme. Donc on fera créer l'anarchie. Et là, dégâts. Où je fasse 40 000 de dollars de dégâts pour avoir 50 dollars. C'est un vol. D'accord, j'accepte. Qu'est-ce qu'on a? On a un tank carrément. On tirait LB. LB, pas RP. Viser avec la tourelle, ok. Tourner, d'accord. Bon, typical. Donc, ok. Tu arrives. En plus, on voit du lourd. Bordel, hein. J'ai 16 000, 17 000. Ça, par contre, rouler sur les véhicules, ça. C'est pas super. Ah, mais coincé. Je suis coincé. Ça rappelle vraiment les anciens GTA, c'est fou. Mais j'aime bien en plus l'aspect graphique là, un peu cartoon. Vraiment, vraiment nice, hein. Vraiment nice ce jeu. 6€ sur Instant Gaming. C'est. N'hésite pas à utiliser hein. T'es affilié pour Instant Gaming. Ça, je peux faire 3% qui m'aideront à financer des projets de l'avenir. Et peut-être voir pour aider les. Développeurs, parce que ce jeu est vraiment bien. Je sais pas qu'ils vont en faire un deuxième ou sortir un DLC avec un petit joueur. Ça en coop, ça peut être le feu. Le bordel. Maintenant, ça se passe bien. Ouais, 40 000 c'est fait. En plus, ouais, 4 minutes de la fin. 4 secondes plutôt. C'est fait. 47 575 dollars de dommages. Et j'ai gagné même. Ok, en fait ça se cumule, d'accord. J'ai gagné 750 et pas 500 parce que ça a dû cumuler le résultat en bronze et en argent. Ou peut-être un bonus, je sais pas. Donc 750$, je suis à 1636. Ah, j'ai 3 points de compétence pour les améliorations. J'ai mis 600$, qu'est-ce que je pourrais prendre? Là, il faut 4. Parler votre voiture, c'est peut-être intéressant ça. Hein, si jamais on a des soucis avec. Réduit les chances d'être détecté une fois accroupi. Ça c'est pas mal aussi. Réduit les prix en boutique. Augmente les chances de braquer. Mais son unité qui sont accusées. Ça c'est pas mal. On va prendre ça. Parce qu'au moins on a 20% de chance de pas se faire gauler. De pas appeler les flics, je pense. Si
j'emboîte une maison, une boutique. Ok, donc là j'ai plus de points disponibles, j'ai quand même mis 1 300 $. Donc l'argent, hein, c'est important dans le jeu, bien sûr. Ça va me permettre d'acheter des armes, des vêtements. Là, si je fais le téléphone, je peux appeler le conseiller, l'armurier ou le fourniture militaire. Ah, et puis ça coûte cher, ouais, c'est 1350 points tank. Mission pour minigun. Bazooka. Minigun. Ah bah, putain. On a trouvé un bon gars là. Hein. Truc de l'armée, ok. Hein. Là, on peut faire des dégâts. On peut foutre le bordel. On va pas le faire pour l'instant. On va se contenter un petit peu de se balader, fouiller. Donc là, on va regarder s'il n'y a pas quelqu'un. C'est inoccupé. Okay. Bonjour. Vous allez bien? Le baseball, non, ça c'est pile biche, hein. Uniquement pile biche. Tac. Alerte. Ah. La cuisine, vas-y, la cuisine. C'est quoi le 25 entre parenthèses? C'est le prix total, je sais pas. Ah, je suis bientôt full. Qui êtes-vous? Intimide. Permet pas d'intimider. Ah. Vite, 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 ça se barre. Ça se barre, il va appeler les flics là. Merde, j'ai échoué. J'ai pas réussi à intimider. C'était 80% de chance pourtant. Le ratio des 20% restants à jouer en ma défaveur. Tant pis, là il faut s'échapper. Hein. Ah, ils ont mon apparence. Ah oui, j'étais repéré par la vieille. La vieille dame. Je peux appeler des gens, ouais, je peux appeler des gens. Fourniture. Armurier. Ouais, j'ai un mec qui me file des vêtements. C'est mon inventaire. Je pourrais me déshabiller. C'est pas super, super, mais je pourrais me déshabiller. On va manger le donuts. Ça, préparation de la santé. Je crois que j'ai ça aussi. Là. Ah, par contre, une munition de SMG, il va falloir que j'en rachète. Fusil 8 sur 80, ça va. On va les diff. La batte elle tient toujours. Hein. Je trouve pas réussi à la casser la batte. Bon, ça, bon, je le garde quand même. Hein, ça la capacité. J'ai encore de la capacité en fait de stockage. Juste au niveau du poids que c'est problématique tout de suite. Là, je me balade à poids là. Ok, quête à l'air. Des épines de camomètre encore. La molette, je pense que ça va permettre de réparer les véhicules qu'on aura la capacité. Hein. En toute logique. En toute logique, la clé à molette va me permettre de réparer les véhicules quand j'aurai la capacité de le faire. Bon, ça, faut que j'acquire des points de compétences supplémentaires. Bon, là normalement j'ai réussi à m'enfuir des flics. Hein. Faut juste que j'arrive à trouver des vêtements. Parce que là je suis un petit peu à poil quoi. Un jeu plus 18 hein, bien sûr. Ah, les flics là-bas, ouais. Bon, faudrait que je trouve un. Ah, le truc qui arrive. Qu'est-ce qu'on a ici? Un terrain de sport. C'est une église. Ça ressemble, non? Je peux pas accéder. Je peux pas escalader. Je peux passer par là peut-être. C'est quoi ça? Les sauvages. Non. Contre la monte. Alors. Appuie sur cheminement et revois à quelle vitesse je passe avec le café Jumping Burns avec le monstre Kinzo. Allez, on accepte. Contre-la-montre. Ah, la Kinzo. C'est la Kanji. On révèle. Yep, yep.
On voit du lourd. Hein. On voit du lourd. Il est Skyline ça. Aïe 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 aïe, je tapais. On va quand même l'avant d'une Dodge Charger, mais c'est pas une Dodge Charger. Skyline ça. Skyline. Avoir le bronze. Ah, le bronze. On va retenter. On va essayer. J'ai que 50$. Bon, pas non plus déconner. J'ai eu un point. Par contre, un point de compétence. Est-ce que t'as la carte pour voir où est-ce que... comment je pouvais accéder puis... Là, je tourne. Ouais, on va faire ça. Tiens-toi. J'ai pas de boost, hein, on est d'accord. Bon, j'ai des arbres. Ah, c'est frein à main. Je vais rappeler les touches aussi. Je vois trop jouer en ce moment. Je jongle avec les touches. Sur Trackmania, voilà, en plus je me suis mis à la mettre avec Trackmania. L'habitude d'appuyer sur X pour le frein à main. Bon, j'oublie, en plus là ici, en plus c'est A. C'est pas X pour le frein à main, c'est A. Ok, pour sortir du véhicule. Si le contrat monte. On va le réussir, on va le réussir. On va le réussir, il n'y a pas de raison. Oh, putain. Contre le bruit du moteur. Le bruit du moteur c'est pas trop ça en fait. Hein. Quand on tape normalement ça. Ça se sert plus. Hein. Au niveau du bruit de moteur par contre, il y a un petit. Patch à faire là-dessus. Il y a un méchant. Je vais arriver. Je suis toujours tryhard. Hein. Tryhard, tryhard. Ah, je change de couleur à chaque fois. On va passer par-dessus, tiens. On va pas prendre la rivière pour l'instant. Ouais. Il faut que j'arrive à choper une route. Celui-là, on est d'accord que je genoux à la voiture là. Oui, genoux à la voiture. Échec, genoux à la voiture. On va passer par-dessus. Ouais, je sais pas ce que j'ai obtenu là. Un point de skill, non? Je sais pas, j'ai une étoile sur le véhicule. Peut-être un point, une étoile de recherche. Bon, elle est dure celle-là. Faut vraiment y aller au poil de cul quoi. Pas se planter. Il y a un saut. Limite, ouais, faut que j'utilise le saut. Ouais, c'est ça. J'utilise ce saut-là. Ce saut-là. Il y a ça. Ouais. Si on commence de là. Hein. Ça. Non, on commence ici, ok. Il y a le commissariat. Je pense bien, je regarde pas ce que je fais. Je vais y arriver. I promise I will come. Les arbres, putain. Pas focus. Allez, cette fois-ci, la bonne. Il aille d'or ou rien. Voilà, mais je fais n'importe quoi. Habitué à la vue. Enfin, presque. Presque argent, presque. Allez, il y a une dernière tentative, après on va faire d'autres missions. Ça c'est l'activité annexe, c'est pas vraiment des missions. Ouais, tout en drift, tout en drift. Allez, hop.
ça, ok. Je cherchais mes telsos ici, je l'ai vu. J'ai vu aussi le panneau en pleine tronche. Yes, yes, la midador. Yes. Sur ici, 1 sur 30 en plus, impeccable. J'ai 2 points, je suis à poil. Je suis à poil. Et là, je suis à poil. Le commissariat, est-ce qu'on peut pas choper un uniforme de... Ah, c'est les commissariats en fait ici, non? Commissariat, ouais. C'est le commissariat en fait. Bonjour. Je peux vous aider? On est réservé aux personnes de la police. Ah. Tu m'as pas reconnu du coup. Il s'en bat les couilles que je sois tout nu. Nice. Bon, là il y a une baraque. Ah, la fumée qui s'échappe, donc ça veut dire qu'elle est occupée. J'analyse et je constate. Il n'y a pas de linge qui pend là. Il n'y a pas de lumière, je pense qu'elle est fermée celle-là. Voilà. Police. Faut le garage. Une torche. C'était juste un garage, ok. Pas de truc officine. De l'argent, trouver une cachette. Ah, il y a des cachettes dans le jeu. Un cash, je trouvais de la thune. Maximum de thunes, d'ailleurs en parlant de thunes, amélioration, on va mettre ça. Tac. Pas être repérable. Là j'ai encore un point. Sprinter pour son endurance. Oui, c'est ça en fait que j'utilise aussi. Pour attaquer quelqu'un. Pour avoir plus de chance. Bon là c'est allumé. Après, encore un garage. Ma batte. J'ai bousillé ma batte. Bon, faut que je récupère un autre objet. Alerte. Ah. Alerte, alerte. En fait, à chaque fois que j'entre dans un bâtiment, c'est une alerte. Ballon. Inconnu. Un pourri. Super. Parce qu'on voit les points. Là, il y a un bunker. On traîne un bunker. Qui sont. Ah, il faut un code. Putain, il est bien ce jeu. C'est un mélange entre. Robin Simulator. Je sais pas si vous voyez le jeu là. Simulation de voleur. L'argent, je crois. $1, ok. Là, c'est de nul, on peut tout fouiller. Bon, je suis exhibitionniste un peu, hein. Mec à poil, c'est. Bonjour, oui, bonjour. Je fais mon footing tout nu. Bah, je crois pas que je suis à poil. C'est moi, je ne peux pas zoomer là. Ah, si, un petit zoom. Je pense pas que je suis tout nu. Je pense que j'ai un slip. J'ai un slip. Thank you.
Qu'est-ce qui est lourd? Boisson énergétique, on la boit. On va boire ça aussi, le soda. Barre de fer est lourde. Pour les armes, bon. 1 kg, 2 kg. Ouais, 3 kg, 6 quand même la carabine. Lampe torche équipée. Dérapage. Oh, il y a des vaches. Oh, il y a un camion. De quoi faire un carnage avec les chèvres et les vaches. Hein. Mais moi, je suis respectueux des bêtes, des animaux. Le coffre, c'est dommage. Il y a encore des trucs admirables. C'est que faire en sorte qu'on puisse fouiller le coffre. Les clés, banque. Je peux pas rentrer comme ça. Ah ouais, bon, je peux pas rentrer comme ça, non. Il me faut des vêtements en fait. Hein. On va sur les bancs. L'intérêt est très réduit, mais pourquoi pas. Peut-être pour récupérer ça à Samina, je sais pas. Ah si, ça c'est pour l'émission à la vie. Pour observer. Au jeu RP. Observer les gens qui discutent. Bonjour. Pas toujours réussi, pas encore réussi à trouver un vêtement. Pas réussi à trouver un fringue à se mettre à l'entrée. Marchand d'art. Salut mec, salut Arthur, comment ça va? Ça fait longtemps, comment tu vas? Vous avez pas d'objet de valeur à vendre. Ah, j'ai pas d'objet de valeur? Ah oui, non, pour les arts, non. Bon, je peux aller sur prêteur sur gage. Ça va et toi, tranquille. Appelle la police, ah oui je suis tout nu en fait, hein, tout à l'heure. J'ai fait un braco. J'ai dû me débarrasser mes vêtements parce que les mecs m'avaient reconnu. Et là maintenant là, je suis un peu dans la merde. Parce que je suis à poil. J'ai toujours pas réussi à trouver des vêtements. J'aimerais bien continuer la prochaine mission quoi. Quoi de neuf depuis le temps? Qu'est-ce que tu fais comme job? Et bonne année aussi. Bonne année 2020, 2019 aussi. Très. C'est une maison ça. C'est chiant qu'on peut pas ouvrir la fenêtre sans la casser quoi. Alerte. Ah 120 minutes. J'ai 120 minutes à pour. 120 secondes. De l'argent, une photo, un vase, je m'en fous. Vite. Faut trouver des vêtements, moi. Tu m'as gagné prêt à porter. Ah, prêt à porter, c'est bien ça. Ah, vite, vite, vite. Fouille. Ah, c'est le temps en fait. Dans les parenthèses, c'est le temps que je le mets avant que la police arrive. Usine. Fou. Je me casse. Je peux pas visiter les chambres, c'est dommage.
quand même un prospectus. Où est-ce que je peux consulter le prospectus? Prospectus. Je l'ai pas récupéré. Peut-être sur la carte, c'est visible, je sais pas. Prospectus. Prospectus. London, Paris, New York, Redbook. Red Rock, on est à Red Rock, c'est le bled. La bonne ville, les prix du comté, toute taille. Petit boutique, ok. Comment on sait quelle boutique c'est? Surtout savoir si c'est pas dans une autre partie de la ville. Bonne année, là je suis pris au site, ah site informatique, ah, ça fait depuis septembre que j'ai commencé, et toi? Ben moi c'est un, je suis un peu dans la, toujours la même galère, voilà, je suis toujours en train de faire des lives sur Twitch. Hein. Moi j'ai repris depuis le début de l'année, j'avais fait une pause pendant 2-3 mois. Sinon je fais des missions d'intérim, j'ai fait pas mal de mises en bouteille pendant le mois d'avril jusqu'à juin. Sinon avant, pas grand chose. Depuis le site informatique, j'ai pas fait énormément de trucs. Hein. J'ai fait des vendanges aussi. Là, cette année. Là, cette année, enfin l'année dernière plutôt, j'ai fait des vendanges. Là, cette année, j'ai quand même essayé de trouver une formation, quelque chose dans l'informatique. Comme m'y mettre à un moment donné. Hein, parce que bon. Pour me financer, c'est un peu la galère en ce moment. Et j'ai la flemme d'aller encore aller taffer, faire d'intérim. Ça me saoule. Donc formation, je vais voir si je peux pas me faire financer par la région. Je vais essayer de faire une formation, enfin un stage. Mec, tu peux trop étudier seul. Ouais, je sais. Non, mais t'inquiète, c'est en cours aussi. Hein. Non, j'ai, enfin quand je dis j'ai rien foutu, c'est, je me suis quand même documenté et tout sur les sites, Open Classroom, tout ça. T'inquiète. Le HTML, CSS, maintenant je commence à gérer pas mal. Là pour Twitch, bon, faut que je vois pour installer un logiciel de montage potable. Faire aussi du. Et après, tu reviens au site informatique, ouais. Ça s'est déménagé maintenant, c'est plus à Vinave, hein. C'est à Mérignac. Non, pas Mérignac. C'est au niveau de la carte de Bordeaux, non? Parce qu'en vrai, c'est une grosse formation. C'est une formation pour faire quoi comme boulot? À Bègle, ouais, c'est ça. Moi ouais, je vois à peu près où c'est. Technicien super réseau. Ouais. Moi je partirais plus sur Twitch, ouais, j'aimerais bien me percer quand même. Là, cette année je vais quand même m'y mettre à fond sur Twitch. Je peux pas vraiment dire que l'année dernière j'ai vraiment. Je m'ai vraiment donné les moyens. Twitch, hein, c'est surtout pas par plaisir, pas passion. Hein. Même en 2018. Hein. Là, ouais, on aura bientôt 900 followers. Je commence à avoir pas mal de vues. Je commence à avoir des dons. Il y a des subs qui arrivent. Bon, je suis obligé de pousser un peu, mais ça arrive. Puis là, en février, j'ai une LAN caritative sur Paris. Ce sera 19 taf fort. Ouais. Non, ça va taffer. J'ai un truc caritatif là en LAN. Ça va être le feu. Ce sera 18, 19 streamers, c'est comme le The Event de Zerator, mais avec des petits streamers. Mais c'est bien, on va pouvoir se faire se connaître. En plus, c'est pour un truc caritatif. Ah, une robe. Bon, c'est une robe. J'ai trouvé une robe. Là, j'ai plus le temps pour fouiller. Voilà, bah, moi je suis là, je suis habillé là. Une robe noire, mais je suis habillé. Un travelot. Alors ça c'est bien, parce que je crois qu'on peut casser les caisses, ça. Juste que je chope. Moi j'ai des guns, et j'ai plus trop de... Alors, on peut péter les caisses, mais je crois qu'il y a rien dedans. En tout cas pas celle-ci. Bon, on va continuer l'aventure. Non, il y a rien. Combien de temps là? Ouais, ça fait déjà 30 minutes. Bon, on va pousser jusqu'à 4h40. GTA 2... Juste après je dois faire du GTA 2. Enfin, je m'étais dit de faire du GTA 2, mais je pense qu'on va partir directement sur Need for Speed Heat. Et ça, YouTube aussi. Ouais, je suis en train de relancer justement ma chaîne YouTube. Là, il faut que j'arrive à jongler avec les deux. Peut-être trouver des collègues pour me superviser un peu tout le travail. Parce que là, tout seul, c'est compliqué. Il faut de l'organisation, il faut trouver le time entre le planning, les lives, la gestion des VOD.
Ou j'enregistre en même temps que je diffuse, ou un PC un peu plus puissant. Parce que bon, là, ça va, celui que j'ai racheté, enfin j'ai acheté un nouveau en mai 2019 là. Il envoie du lourd, mais sur les nouveaux jeux, il patauge un peu. Hein. La carte graphique a commencé à fatiguer, je pense. Même si elle a 2-3 ans. Donc faut voir. Cet enfoiré de Hank McCoy se croit intouchable juste parce que c'est un flic. Ah oui, lui il est toujours avec ses. Le McCoy là, il. On a fumé quelques-uns sur l'épisode précédent. Mais il y en a toujours un qui est toujours en vie là, le flic corrompu. Donc la voiture de flic de Hank, pendant qu'il est sorti déjeuner, éclate là. Mais là où tu l'as trouvé. Ils vont pas lancer un mandat pour ton arrestation. Je pense que c'est les seuls voyez là. T'en fais pas, c'est une question. C'est une question. Non, c'est une, là je pense qu'il faut le barrer, c'est une. C'est question d'envoyer un message. C'est histoire d'envoyer un message, je pense plutôt. Traduction elle est pas très bonne. Courage, ouais, non, mais le courage, je t'inquiète. Bon mec, je te laisse, je te souhaite de la réussite, courage. Bah, pareil pour toi, hein, pareil pour toi. Pareil pour toi. Si je joue à côté, tu me dis pas de soucis. Ok, si, il faudra que je m'y remette aussi. J'ai plein de jeux là, je sais pas si tu vois dans la partie description, sous la chaîne, je sais pas si c'est sur mobile ou sur le PC. J'ai une liste de jeux, mais. J'ai une liste de jeux à faire. Ah, là cette année, ça va pas chômer. J'ai l'intention de faire toute cette liste. Et encore, hein, je sais pas, enfin, y a des trucs que j'ai pas encore ajoutés. D'autres, c'est en pourparler avec les viewers. Mais là, j'ai de quoi faire pendant au moins 3-4 ans facile. Remorquer la voiture de flic de Hank à la casse, broyer la voiture de Hank. Et puis après déposer la carcasse dans le lieu-dit avec la dépanneuse. Donc. Dans ce jeu, on peut utiliser une bête dépanneuse. Hop. On va aller remorquer sa bagnole. C'est bien fait celui-là. C'est s'inspirer des vieux GTA. Avec la vue dessus. Mais avec des graphismes de l'époque. Moderne. Pour ça, après, je fais le comparo avec GTA 2. Pour voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. J'aime bien faire les comparatifs aussi de jeu. Entretien, vas-y, force à toi, merci, pas de problème, et repasse quand tu veux hein, sur le live. Je sais pas si t'es follow, ouais, je pense que si. Je clique sur ton pseudo. Ouais, follow depuis le 20 novembre 2018. C'est bien fait quand même. C'est bien fait. C'est bien fait ça. Je peux savoir quand est-ce que t'as follow et tout. C'est bien Twitch hein. Alors, hop. On se met juste devant, tac, X, on remonte la bagnole, tac. Et on se casse. Hop. Je crois que c'était là, non? Je suis le GPS bêtement, mais pas mal de pêche, je pense. Tranquillement. Cette fois-ci, vous avez vu, j'ai pas mis de musique. Je pense que je ferai ça pour les autres jeux aussi. Hein. Arrêtez de mettre de la musique en fond. Une fois sur deux, on m'entend pas. Une fois sur deux, c'est que sous coupéré, donc après, il n'y a plus le son de la VOD. Hop. Là aussi, faut que je la prenne. Voiture gratos. PC élément, tac. Gestion de la grue et tout. Hein. Franchement, le jeu. Il vaut être connu. Hein. Il est sorti il y a un an. En mai 2019. Franchement, il est bien. Je pense que je vais le faire gagner une clé du jeu ce soir. À ceux qui sont là. Pendant que la compétition claquemasse se déroulera. Petite clé de American Fugitive là. Ça vaut largement son coup. Je peux m'amuser à foutre le bordel. Bon allez. Tac. Boum. La ouais, voiture de Hank. Ah oui, il faut la ramener aussi à l'endroit. Tourner le cul au flic.
Tac. Comme des enfoirés. Vous voyez une bagnole de flic là. Après c'est des ripoux mais bon. On a broyé une voiture de flic, on la ramène là où on l'a trouvée. Le mec après quand il arrive. On prend le message. Hop. Ah putain. Il y a quand même une. Il y a de l'inertie. Mouvement. Bien fait. Bon, mission accomplie, 150$, un point d'expérience. Ah, Hank va être fou d'orage. Ça m'étonne pas ça. Vous pouvez utiliser le téléphone portable pour commander des voitures ou des armes à feu si vous en avez besoin. Ah mais bah ouais mais ça c'est un message. Ouais. Alors on dirait que l'oncle Sam se prépare pour des exercices militaires nocturnes. Ne serait-il pas dommage que quelqu'un garantisse ses réserves de carburant? Putain mais lui c'est un anarchiste, il veut tout bousiller. Hein. Ouais, on va foutre le bordel avec le tank. Lui nous fournit un tank carrément. Hein. 1300 balles, on a un tank. Allez. Donc, on bousille toutes les réserves, c'est ça. Panzer. Char d'assaut. Ah mais c'est de la merde, c'est pas amphibie. Ah, je pensais qu'elle allait pouvoir aller dans l'eau quand même avec ça. Ah. Allez, toi. Ah mais je peux lever le truc. Ah, c'est pour l'hélicoptère tout à l'heure. J'aurais pu shooter je pense. Il est pas mal hein. On va essayer de faire 100% parce que. On recule. Merde, merde. Allez, recule. On peut plus démarrer là. On va essayer le truc. Allez, avance. Qu'est-ce qu'il bloque là? Je peux avancer. Je ne peux plus avancer, monsieur. Je peux reculer, je peux plus avancer. Bon, je suis bloqué. On va commencer. Quand même, hein. Pas censé être bloqué comme ça. Ouais, bouge. Avec X aussi, je peux tirer. Allez, allez, on avance. Bon, l'argent. Faut avoir l'or, on va chercher l'or, allez, on commence. J'ai pioché l'or. Et après on s'arrêtera là pour cet épisode. On continuera demain pour la suite du jeu.
Bon bah l'épisode 4, hein, tu regardes les VOD. Il était court celui-là, je sais. Bon des fois hein. Faire l'épisode de plus d'une heure tout le temps. Sur le live comme ça vous pouvez aller regarder l'épisode 1 et 2. Pour être à jour. Sur Twitch et sur Discord, bientôt sur YouTube bien sûr. Pour YouTube là il faut attendre un peu parce que j'ai plein de vidéos en retard. Allez, allez, allez. Ah, j'aurais pu me servir de cette bosse là pour viser le lico, je pense que j'aurais pu l'avoir. J'aurais pu shooter le lico avec. Y'a moyen. Tant que repérer, bon, tant que j'aurais pu repérer. Hein. Là du coup je l'ai en or le machin, ok. Et là en fait ouais on a tout ce qui a été fait, on le voit en or. Ou en bronze ou en argent bien sûr. Pour l'instant j'ai trois trucs or. Là aussi. Les seaux, celui-là il est vert donc je l'ai validé. C'est bien, en plus on a le rôle de notre corps. Alors là après ce qui serait must, le must hein. Bon après faut ouais. Faut un système anti-cheat mais c'est faire un leaderboard avec la liste de nos amis Steam. Pour les sauts. Le record aussi au niveau des défis. C'est une partie multijoueur à mettre sur le jeu et c'est bon. Bien sûr après agrandir la map. Parce que pour un jeu indépendant, il est pas mal hein. Il est vraiment pas mal. La mécane fugitive. Bon, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais faire une petite pause là, pour la VOD et pour le live. Ensuite, concernant le live, hein, on est mardi 28 janvier. Il est 16h42. Donc ça fait une heure pile normalement de VOD. À peu près. J'enchaîne avec donc GTA 2, on laisse tomber. J'en vais sur Need for Speed Heat pour découvrir la nouvelle mise à jour qui est sortie aujourd'hui à 11h sur PC. Need for Speed Heat jusqu'à 18h30 à peu près. Après on fait du The Crew 2, le Summit. Je vais essayer d'être de nouveau platine. Si je suis déjà platine, on va farmer quelques pièces, quelques véhicules. De toute façon on va combiner les deux. Puis même si je suis platine, je peux toujours monter un petit peu de niveau. Essayer de battre R6 et Niatak. Mais ça va être compliqué parce que eux ils ont bien pensé le jeu. Surtout qu'ils font du stream de The Crew quasiment quotidiennement. Alors que moi voilà. Je suis pas mal sur Trackmania. D'ailleurs Trackmania on y jouera ce soir 21h. Compétition organisé par moi-même, la Diablack Sleeper Player Cup numéro 4. Il y a du cash prize tous les mardis soirs. Je pense que ça a été donné la dernière, ce sera tous les mardis soirs. On va pas le faire tous les. Pas faire tous les jours de la semaine non plus. Hein. Donc le mardi soir, après il est suffisant aussi que ça se décale suivant les compétitions qu'il y a aussi autour sur Trackmania. Je peux empiéter sur d'autres compétitions. Bon, le mardi soir, généralement, il n'y a pas grand chose. Le lundi soir, il y a la shitfest, donc j'évite. Le jeudi soir, il y a la TTC, la Talent Cup. Et le week-end, pour l'instant, il y a l'Open Grand League et la Trackmania Grand League. Donc, je préfère pas trop jouer le week-end non plus. Mais le mardi soir, c'est pas mal. Mardi soir, mercredi soir, on verra en fonction de. Bref, moi, je vous laisse là. Je vous dis à tout à l'heure pour le live. Sinon, bah, à l'épisode 4. N'hésitez pas à follow aussi, hein. N'hésitez pas à follow, à suivre les liens sociaux, tout ça. Voilà, vous TMTC. Ciao, ciao.